sixième étape du championnat Epic Series, le Critérium Continental marque un réel changement de registre dans le chapitre trot. Tout d'abord, seuls les jeunes cracks de 4 ans sont autorisés à courir. Sont réunis les meilleurs éléments nés en 2012 partout en Europe. On vient généralement de tout le continent, Italie, Suède, Norvège, Finlande ou encore Pays-Bas, pour tenter de décrocher son billet d'entrée au Prix d'Amérique au Podo. Et deuxième changement notable, seul le vainqueur est qualifié ici pour la finale. L'an passé, Bold Eagle profitait de sa victoire dans cette épreuve pour aller ensuite conquérir le Prix d'Amérique au Podo, comme l'avait fait avant lui Offshore Dream, mais c'est un doublé qui se fait très rare. Enfin, dernier changement, le mode de départ. Il se fait non plus après une volte, mais derrière ce qu'on appelle l'autostart. Les trotteurs bolides sont alors lancés pleine vitesse à 54 km/h. Le couple homme-chevaux ne doit alors pas confondre vitesse et précipitation pour aller au bout de leur effort.